Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des lectures de la semaine. Voici ce que j'ai pu lire, il y a un petit peu de tout, j'essaye toujours de varier. Donc on a de la jeunesse, on a aussi un petit cozy mystery et puis on a la suite d'autres sagas dont je vais vous parler tout de suite. Commençons par celui-ci, donc c'est le pique-nique presque parfait. C'est la suite des aventures de Loveday et Ryder. Le premier, je l'avais lu précédemment, il n'y a pas très longtemps. C'était Le Corbeau d'Oxford que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. Alors, c'est écrit ici par Faith Martin et on est aux éditions HarperCollins Poche. J'aime vraiment toujours autant cette saga. Je me suis régalée avec ce second tome qui reste toujours dans le même style que le premier. Donc dans cette histoire, on est aux alentours de 1960 et après un pique-nique entre de jeunes étudiants, on va retrouver le corps d'un jeune homme dans un étang. Donc a priori, il apparaît que le jeune homme serait décédé suite à un accident. La thèse du suicide est mise sur le côté, la thèse du meurtre n'est pas vraiment envisagée, mais cette solution de l'accident ne convient absolument pas au docteur Ryder, donc il n'est pas crédule, il sent qu'il y a quelque chose derrière, il sent que ce n'est pas une simple histoire d'accident. C'est pas le procès, mais il y a un genre d'audition des témoins qui étaient sur place. Ils sentent bien que les jeunes qui étaient présents durant ce pique-nique cachent quelque chose, qu'ils ont quelque chose à dissimuler. Et donc, il va de nouveau faire équipe avec Trudy pour dénouer et résoudre ce mystère. Donc, Trudy, qui est la jeune stagiaire policière, qui a un peu du mal à faire sa place dans ce monde policier qui est un monde extrêmement masculin à cette époque. Et donc elle est toujours très contente de pouvoir travailler avec le Dr Ryder étant donné qu'il ne la considère pas comme étant juste une femme, juste un peu trop jeune. Il a de la considération pour elle, il la trouve intelligente et donc c'est assez enrichissant pour elle de pouvoir travailler avec ce type de personne. Donc c'est vraiment une histoire très 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 bien menée, j'ai adoré. Cette fois-ci, j'ai deviné par contre qui était le coupable avant la fin du livre. J'avais des soupçons qui se sont confirmés. Je suis assez contente d'avoir découvert l'intrigue. Après, la surprise n'est absolument pas gâchée et on continue la lecture jusqu'à la fin avec un immense plaisir. Seconde lecture que j'ai faite, c'est celle-ci, c'est Vanessa, je vous en avais parlé la semaine passée. Donc c'est une collection des Disney vilains, il y en a déjà eu plusieurs, j'ai lu quelques Disney Chills, j'ai aussi lu des revisites de dessins animés, notamment celui de Réponse, Mais où est la vraie vie, je pense que c'était cela le titre. Il y a aussi eu des histoires sur Mulan, La Belle et la Bête, il y en a eu plusieurs, Aladdin également. Et donc ils ont sorti cette collection-ci apparemment. C'est un livre qui m'a été prêté par ma sœur, donc je l'ai lu assez rapidement pour pas le lui emprunter trop longtemps. Au niveau de l'histoire, ça se passe avant La Petite Sirène, donc du dessin animé, et on va suivre Ursula, donc la sorcière des mers. Et elle va se rendre sur Terre avec l'apparence d'une humaine, donc de Vanessa, qu'on peut retrouver dans le dessin animé La Petite Sirène. Et elle revient sur Terre dans le but de retrouver un fabuleux pouvoir qui pourra lui donner une puissance incroyable. Et ainsi, elle pense pouvoir affirmer sa place dans l'océan, notamment par rapport au roi Triton. Et elle va rencontrer un humain qui s'appelle André, qui est guérisseur et qui a découvert des produits magiques. Donc c'est des produits qui sont censés guérir, apporter la joie, le bonheur. Alors malgré la mise en garde par rapport à ces produits magiques, il va quand même les utiliser en pensant faire le bien. Et le souci, c'est que ça va bien fonctionner au début. Donc les gens vont se rétablir, les gens vont être heureux, mais il y aura un contre-coup qui sera pire en fait que la situation de départ. Et donc pour réparer les choses, il va devoir justement avec Vanessa se lancer dans une aventure assez périlleuse pour rétablir les choses et en tout cas inverser
ce qu'il a fait. Vanessa va l'aider, évidemment, il y a un double but étant donné qu'elle elle se lance dans cette quête au départ dans un objectif tout à fait personnel et la relation qu'elle va développer avec André va un petit peu la prendre au dépourvu, donc elle va être un petit peu cisaillée entre ses objectifs personnels et aussi l'envie d'aider André, donc le garçon auquel elle va vraiment beaucoup s'attacher. Donc c'est vraiment une nouvelle vision de celle du personnage qui deviendra la sorcière des mers et j'ai bien aimé cette histoire qui est dédiée à Ursula. On en apprend plus sur son caractère, sur sa vie passée, sur les décisions qu'elle a pu prendre et aussi les souffrances qu'elle a eues dans sa vie passée, ce qui explique le personnage qu'elle est devenue, le personnage qu'on voit dans le dessin animé de La Petite Sirène. Donc pour moi, dans l'ensemble, c'était une bonne lecture. Évidemment, il faut aimer l'univers Disney et ça reste un livre quand même principalement jeunesse. Donc il faut quand même avoir un certain attrait pour ces deux genres. Passons maintenant à celui-ci qui est L'héritage de la villa aux étoffes de Anne Jacobs aux éditions 10-18. C'est le tome 3. J'ai pu lire précédemment le 1, le 2. Celui-ci vient de sortir en format de poche 10-18 et j'ai pas attendu plus longtemps avant de le commencer. Je l'ai lu assez vite. Pourtant, c'est quand même un livre qui fait plus de 630 pages, il doit être à plus ou moins 640 pages, donc c'est quand même un beau roman, mais ça se lit vraiment tout seul. Comme c'est un tome 3, je ne vais pas vous en parler davantage au niveau de ce qui se passe. Évidemment, si vous souhaitez commencer la saga par le premier, je ne vais pas vous dévoiler ce qui se passe dans le troisième, mais on suit toujours cette famille, la famille Melzer, donc la famille de la villa aux étoffes. Il y a plein de rebondissements. Ici, on se trouve en fait après la guerre. Donc, on est dans les années 1920. On a suivi dans les premiers ce qui se passe avant la guerre. Puis, on a eu le livre qui se passe durant la guerre. Et maintenant, on est après la guerre. Donc ici, la guerre est finie et on va voir en fait les difficultés qui se posent aussi, les privations que les gens ont vécu également, donc c'est intéressant d'avoir cet aspect également de l'après-guerre en Allemagne du coup et de suivre toujours les rebondissements qui se passent dans la famille Melzer aussi bien au niveau des maîtres mais aussi bien au niveau des domestiques. C'est vraiment une saga excellente, je conseille vivement cette lecture. Enfin, dernière lecture, c'est celle-ci qui était ma lecture en cours aussi où je prenais vraiment tout mon temps pour la lire. Je vous avais dit que j'avais quand même envie d'avancer dedans, ces choses faites, étant donné que je l'ai terminé en fait hier. Oui, j'ai passé ma journée pour le finir. C'est évidemment Anne d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery. Ici, on est aux éditions de Monsieur Toussaint L'Aventure, cette superbe édition. Toujours aussi belle, toujours aussi magnifique. Au niveau de l'histoire, j'ai adoré. C'est toujours dans le même univers, c'est toujours le même style d'écriture que le premier roman, donc qui est Anne de Green Gable, que j'avais adoré, qui était un coup de cœur absolu. Ici, on va suivre toujours le même personnage de Anne. Anne qui a grandi, qui a 16-17 ans, donc on va suivre cette période de sa vie où elle commence une vie professionnelle. Où elle a les difficultés aussi qui se posent et les responsabilités qu'elle va prendre, mais ça reste toujours une lecture vraiment toute douce. C'est vraiment très agréable comme lecture, ça met du baume au cœur, vraiment une lecture qui fait du bien. En tout cas avec moi ça fonctionne parfaitement. Il reste encore la suite à lire, évidemment il reste deux tomes. Il me semble que c'est Anne de Redmond et ensuite le dernier qui est sorti avec une couverture aussi magnifique mais dans les tons bleus. Je vais les poursuivre sans doute pas tout de suite, pas immédiatement, je vais laisser un peu passer du temps quand même pour lire un petit peu autre chose, mais je continuerai toujours avec grand plaisir la suite des aventures de Anne qui est un personnage extrêmement attachant. C'est un personnage qui a du cœur, qui est extrêmement généreux. On ne sait pas rester indifférent face à ce personnage et moi j'aime énormément cette toute belle saga. Alors à présent on peut passer aux lectures que je suis en train de faire, j'en ai deux en cours. J'ai commencé celle-ci
qui est Prosperine, virgule, point, et la phrase sans fin. C'est écrit par Laure Dariolos et on est aux éditions Rivka. Alors ce livre, ça faisait un petit moment que j'avais envie de le découvrir. En fait, depuis sa sortie, j'en avais entendu beaucoup parler, beaucoup en bien, et j'avais hâte de le commencer, hâte de l'acheter, mais j'avais laissé un petit peu le temps passer quand même, étant donné que j'avais quand même acheté pas mal de livres. Finalement, j'ai craqué pour celui-ci et je l'ai commencé dès sa réception. J'ai pas beaucoup avancé, j'ai lu même pas une centaine de pages, je suis à 83 pages, mais ça s'annonce vraiment très très bien et le livre il est super sympa, étant donné qu'il est agencé d'une façon surprenante. Donc on a des effets avec des pages comme ceci, noir et blanc, mais on a également des personnages dedans. On a le texte qui bouge selon les personnages qui sont repris sur les côtés. On a des petits effets vraiment, vraiment sympas. Encore ici, par exemple, on a des lettres plus grandes, des choses comme ceci. J'ai pas beaucoup avancé, encore un exemple ici avec la couleur qui change au niveau des phrases. Donc c'est une lecture assez dynamique dans sa mise en page et l'univers est vraiment super surprenant. Donc pour un peu vous expliquer, on se trouve dans un village qui s'appelle Demimo. Et les habitants ont comme travail de réparer, de garder en bon état, en fait, les lettres d'un texte qui est un manuscrit inachevé. Et ils font ça à répétition tout le long de l'année. Et on a le personnage principal qui est celui de Prosperine, virgule, point. Elle est un peu différente des habitants du village qui ont tous cette tâche importante de maintenir le texte en état. Elle, par contre, elle a une vue de la vie qui est un peu différente. Elle ne s'est pas détournée, mais elle a pris un autre chemin. Donc, elle préfère les plantes. Et donc, elle a ouvert un magasin. C'est un peu la fleuriste du village. Bien sûr, elle a des plantes un peu particulières, étant donné que c'était des plantes douées de raison, de conscience. En tout cas, elles sont vivantes et elles sont bien actives. Et un matin, elle va découvrir en fait un corps à l'intérieur de sa boutique. La police qui va être dépêchée sur place, on comprend bien que dans ce petit village, il n'y a jamais de meurtre, ils n'ont jamais fait face à des problèmes vraiment importants. Et donc, on va classer cette affaire comme étant un accident que le personnage qu'on a retrouvé mort a sans doute eu une crise cardiaque, mais Prosperine, virgule, point. N'est pas dupe, elle sent bien qu'il y a autre chose et elle est accompagnée par un homme qui s'appelle Honoré. Cet homme vient de la capitale et elle va décider de prendre les choses en main, donc de mener sa petite enquête parce qu'elle sent bien qu'il y a quelque chose de bizarre, de louche, et elle sent que c'est quelque chose qui est lié par rapport à la grande capitale. Donc voilà, ça c'est plus ou moins où j'en suis. Il y a eu une intrigue, il y a eu un meurtre, c'est un univers vraiment surprenant, particulier, extrêmement farfelu, mais moi j'aime vraiment bien ce style, donc je vais avancer dans ma lecture pour pouvoir vous en dire davantage la prochaine fois. La seconde lecture, c'est celui-ci, donc c'est le tome 3 des enquêtes d'Anna Swenson, Meurtre et Muffin aux Myrtilles ici. J'avais lu les deux précédents dont je vous en avais parlé. Il y avait Meurtre et Pépite de chocolat et Meurtre et Charlotte aux fraises, si je me souviens bien. J'adore vraiment beaucoup cette saga de Cozy Mystery où on suit Anna Swenson qui est une pâtissière qui fait des cookies et qui a la malheureuse habitude en fait de découvrir des cadavres dans leur petite ville assez tranquille de Lake Eden, si je me souviens bien. Elle est malheureusement la première à découvrir les cadavres, ce qui commence à un petit peu inquiéter sa mère qui essaye à tout prix de la caser avec les célibataires de la ville. Et donc à chaque fois elle se lance dans l'enquête pour découvrir l'assassin. Ici elle va à nouveau être accompagnée par sa sœur Andrea, ce qui était le cas également dans le second
Tom, sa sœur, lui avait donné un coup de main. Donc, on a ce schéma qui, à mon avis, va se répéter dans celui-ci, étant donné que elle va retrouver le cadavre d'une star du petit écran qui fait des émissions culinaires. Apparemment, c'était une femme assez exécrable qui ne s'entendait avec personne, qui était vraiment très désagréable avec les gens. Elle avait une double facette, donc vraiment très mielleuse quand elle avait besoin des gens. Et une fois que ces gens, par exemple, travaillaient pour elle, elle était vraiment en mode tyrannique avec son personnel, avec les gens de son entourage. Donc, ici, apparemment, l'enquête va être compliquée étant donné que la liste des suspects potentiels s'allonge de plus en plus, étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui pouvaient avoir une dent contre cette femme. Donc, je vais poursuivre ma lecture. Ça se lit tout seul, ça se lit assez vite. En tout cas, moi, j'ai commencé cette lecture hier soir et j'ai déjà lu 120 pages. Donc, ça se lit assez facilement, les chapitres se suivent, l'enquête avance. Il y a toujours les petites coupures dans les chapitres pour nous donner des petites recettes de cuisine, de pâtisserie, donc qui est assez sympathique également. Donc voilà, je vais poursuivre, terminer et je vous en parlerai sans doute davantage la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour mes lectures. De la semaine, j'ai reçu un colis que j'avais commandé avec des livres que je souhaitais avoir. Je vais vous les montrer. Il y a premièrement celui-ci qui est Un bûcher sous la neige. J'en avais entendu parler pas mal. Il était passé sur les réseaux et j'avais entendu pas mal de bon écho à propos de ce livre. Alors, au niveau de l'arrière, il est indiqué qu'on est au cœur de l'Écosse du 19e siècle. Il y a une jeune fille qui est accusée de sorcellerie et qui attend le bûcher. Donc apparemment, oui, ça va être une histoire de sorcière au cœur de l'Écosse. Donc ça m'intéresse. L'avis qui est donné ici tout en bas, c'est: après avoir lu ce livre, il est impossible de ne pas porter un regard neuf sur le montant. Certains passages à la puissance tranquille sont d'une extraordinaire beauté. Donc ça s'annonce bien. Alors j'ai également eu celui-ci qui est un tome 2, évidemment, un tome 2, parce que j'ai le premier tome qui est dans ma palle, que je n'ai pas encore lu, mais je n'ai pas pu résister à l'envie de déjà acheter celui-ci. Donc c'est la suite des Enfants des Hotori, donc la suite de la saga que j'ai adorée, qui est une de mes sagas préférées, qui est Le Clan des Hotori, que j'avais lu il y a des années. J'avais reçu ça comme cadeau quand j'étais encore adolescente par ma maman et j'avais adoré, je l'adore toujours. C'est une saga qu'il faut absolument lire. Et donc voilà, j'ai le premier, maintenant j'ai le second, j'espère pouvoir les lire assez rapidement. C'est toujours des superbes couvertures avec la tranche ici qui est en doré. On a également ça dans le premier tome où la couverture ici est en bleu. Je vous en parlerai un peu plus quand j'aurai pu commencer cette nouvelle saga. Et enfin, il reste un dernier livre qui vient des éditions Monsieur Toussaint, L'Aventure, que j'avais vu passer. J'ai entendu aussi des très très bons échos. La couverture est toujours aussi magnifique, évidemment, quand il s'agit des éditions Monsieur Toussaint, L'Aventure. Le voici. Donc c'est cette merveille. Regardez comme il est superbement beau. Hop, c'est Zephyr, Alabama. C'est de Robert McCammon. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai pas envie de savoir spécialement. En plus, je pense qu'il n'y a pas de petit résumé dans ces livres. Je vérifie. Il n'y a rien à l'avant. Il n'y a rien à l'avant. Non, il n'y a rien indiqué non plus à l'arrière. Il y a juste cette petite phrase en bas, une citation de Robert McCammon qui dit: « J'ai compris alors ce qu'était le courage, c'était aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même. » Voici. J'ai seulement vu que les gens qui l'avaient lu avaient passé un très très bon moment. C'est une belle brique, hein, ce livre est énorme. Il fait quand même... Combien de pages fait-il ?
Il fait un peu plus de 600 pages, mais je pense que, en tout cas, j'ai hâte de pouvoir le découvrir et vous en parler davantage. Voilà, c'est tout pour mes lectures de cette semaine. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et passez un excellent week-end.